La chaleur monte à Marseille sur le prologue de la Coupe du Monde des Rally Raid. Un tracé de 2,5 km en ouverture des hostilités avec les motards. Rien de mieux pour faire le show devant un public acquis à la cause du rallye de Tunisie. C'est l'Espagnol Panos Oscar Hernandez qui ouvre le bal de la performance sur sa 450 KTM. Olivier Pin, le français, lui emboîte le pas à une seconde sur sa Yamaha. Il précède Michel Marchini, lui aussi sur une 450. Gros coup du côté des quads avec Alexandre Giroux sur son 400 LTZ en 5e position. En revanche, on attendait mieux de Thierry Betty, seulement 7e sur la Honda. Le garçon se réserve pour le désert. Du côté féminine, Ludivine, puis notre championne d'Europe, place sa grosse 690 en 31e position. Mais cette mécanique préfère de loin les grands espaces. Côté voiture, c'est la nuit qui a saisi les concurrents à l'image du japonais Shinozuka, visiblement heureux. It was very bright. C'était vraiment sympa. Je ne voyais pas très bien les virages. C'était un peu difficile, mais je me suis vraiment amusé. Entre chien et loup, les équipages se sont succédés pour la chasse au premier chrono. Au final, c'est le Polonais Olofik qui remporte sur son T1 Nissan le prologue de Marseille. Vous savez, il faut toujours être moins rapide que ce que l'on pense. Pour moi, c'est vraiment pas facile.